un peu les moments un peu... Stop, on va la refaire en complet, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit zut, il n'y a pas de son. Et effectivement, je pense qu'en ayant cette fenêtre derrière, j'ai pas vu qu'il n'y avait pas le truc de son qui était lancé. Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'était pas mal. Salut Franck, voilà. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Payen et je reçois aujourd'hui Monsieur Mike Stefanini. Salut. Est-ce que je refais les mêmes blagues que j'ai fait en off? Vas-y, comme ça je suis chaud, je peux encore plus rigoler et tout. Ouais, on va vous mettre du son. Donc, donc tu te fais appeler Atomike, les gens te connaissent sous ce nom-là. C'est ça. Et ils te connaissent sous ce nom-là parce que c'est américain. Atomike, bah en fait c'est un jeu de mots pourri, hein, mais comme plein de trucs, comme les groupes de rock quand ils se forment au début, tu trouves un jeu de mots débile, puis finalement ça te colle à la peau, tu le gardes. Tu le gardes pour toute ta vie. Pour toute ta vie, et les gens font même plus attention après. Donc voilà, donc c'est Atomike, Atomike, Mike, Atomike. D'accord. Donc, ma carrière commence avec une blague pourrie. et je pense qu'elle va s'enchaîner et continuer dans cette direction-là. Bonjour donc aux uns et aux autres, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à nous suivre aujourd'hui. Bonjour, alors, je vais dire bonjour à tout le chat. On a un chat avec des gens qui nous voient, mais ils nous voient galérer 30 secondes plus tard. c'est-à-dire que si je lève le bras là, comme ça, tu vas voir, et les gens vont le voir en direct dans 30 secondes. Voilà, exactement. Je fais un test, je mets le doigt dans l'oreille. I'm really stupid. Donc, okay, bonjour Axe, bonjour Christoun, bonjour TMPX, Mountain, TMPX encore, Yak, Joe, Vincent, Duc, Hyperlit, Ninja Cry, Couleur Vanille. Ben voilà, il y a du monde aujourd'hui. J'espère que vous allez bien nous entendre maintenant que j'ai mis du son partout. Sur le live, sur Mike, sur son micro et tout. Et j'espère que ça va très bien se passer pour vous. Donc, ouais, beau gosse. Et je pense qu'il y a des gens qui te connaissent, parce que sinon, ils te diraient pas beau pourquoi gosse. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est une évidence, t'as pas besoin de me connaître pour ça. c'est ça, quoi. C'est ça. Non, mais alors, ça, tu fais partie des invités que j'aime bien recevoir, parce que sur le fond vert, ça passe, nickel. Ah ouais, t'as bien. C'est mieux que des cheveux. Ouais, mais je savais. Donc la prochaine fois, tu demandes à Dwayne Johnson de venir, comme ça, tu vas voir, ça va être nickel aussi. C'est ça. Ouais. Voilà. Ça sera dur pour lui de passer après moi, mais bon... C'est un peu le risque. Du coup, Ak vient de voir qu'on levait les bras il y a 30 secondes. Donc c'est ça, c'est exactement ce genre de décalage qu'on a. Et c'est pas que du décalage dans l'humour et tout ça, on essaye d'être à peu près cohérent quand même sur le reste. Donc toi, Mike Stefanini, t'as eu une carrière un peu longue avec plein de trucs dessus, et je vous ai mis le lien. Ouais, c'est déjà super long, moi je trouve, ouais, c'est clair. Et 41 ans de carrière, moins les 20 ans où tu faisais rien, bravo. C'est ça, ouais. Quelle idée aussi. Bah je dessinais des hamburgers quand même. Tu dessinais quand même des hamburgers, même petit. Ouais. C'est les premiers trucs que t'as fait quand t'étais gamin? Mais oui, parce que comme je dis souvent, en fait, même à l'école, en fait, quand mes petits camarades dessinaient des châteaux avec des princesses et tout ça, moi je dessinais déjà des hamburgers, donc ma maîtresse elle me regardait avec des yeux comme ça, pourquoi ils dessinent ça, je vois pas le sens. Et puis je dessinais des limousines et des voitures américaines, et ouais. Donc j'aimais déjà ce côté un peu logotypé, l'univers américain, etc. Et ça m'a pas lâché, hein. J'aime toujours ça en fait, hein, vraiment. Non, mais il faut pas changer vos points d'accroche de toute façon, c'est ma culture. Si on devait donner des bons conseils pour réussir une carrière, tu saurais donner des conseils pour réussir une carrière ou pas toi? Non, moi je suis plus du style à donner des conseils pour bien foirer sa carrière de créatif, hein. D'accord. Ouais. Alors dans ce cas là si vous voulez connaître tous ces conseils pour foirer votre carrière, vous irez suivre sur son Instagram. Je dois avoir quelque part le lien de ton Instagram. Ouais, c'est possible. C'est quoi, c'est Atomike? Ouais, Atomike Studio. Hop, j'ai essayé de le taper, tu vois, genre à l'ancienne. Ouais. Le mec, il écrit des liens au lieu de les copier-coller. Salut, alors, puis si en plus je tape avec un doigt. Mm-hmm. Donc, ça, on est chez toi, on est sur ton Insta, il se passe plein de trucs, tu racontes plein de choses. En plus, bon, pour ceux qui nous suivent en direct, on est mardi, il est 12h passé de 10 minutes, comme ils disent à la radio. Passé de 10 minutes. Au quatrième top, il sera exactement le temps de voir qu'il y a un calendrier de l'Avent que tu es en train de mettre en place. Ouais. Un calendrier de l'Avent dans les stories Instagram. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de choses à voir. 24 conseils pour foirer sa carrière. Mais est-ce que c'est pas dangereux? Ou c'est pour éviter la concurrence? C'est un calendrier de l'Avent, donc c'est vraiment un conseil par jour. Mmh. Mais c'est pour bien foirer sa carrière de créatif. Parce qu'en fait, il y a énormément d'articles sur Internet. Avec des articles qui te disent, alors il faut bien faire ceci, il faut bien faire cela. Souvent, en général, on enfonce des portes ouvertes. Et donc, j'ai voulu, comme j'ai beaucoup de gens qui me demandent en fait des conseils, et que, parce que je suis considéré comme un dinosaure, quelqu'un d'expérimenté aujourd'hui, ah bon, d'accord. Et donc, du coup, je me retrouve à donner un peu toujours les mêmes conseils. Et j'adore le faire, c'est pas un problème. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je faisais un truc qui pourrait s'adresser un peu à tout le monde, mais autant le faire un peu en mode déconne, parce que j'aime bien le second degré et l'autodérision.
Et donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire un peu l'inverse, je vais te dire comment faire pour bien forer sa carrière de créatif. Et donc, si on suit bien tous ces conseils à la lettre, je peux vous assurer que ça va. Qu'il y a forcément plantage. Il n'y a aucune chance que ça marche. Aucune chance que ça marche. Aucune chance. Bon, et puis quand même le truc aussi qui est marrant, c'est que il y a des guests, il y a des invités et donc des gens qui sont assez pointus dans leur domaine, donc ils sont bien placés pour nous dire ce qu'il faut vraiment faire pour rater. Ouais. Non mais je vois bien ça. Il y a Sarah qui dit bonjour des anciens de l'AGR. Ah oui, ok, oui, parce qu'effectivement... Parce que j'ai un passé, mais en fait, c'est marrant, parce que moi, j'oublie tous les trucs que j'ai fait dans ma carrière, je suis plus intéressé par ce que je vais faire demain, ou même maintenant, hein, parce que maintenant, c'est pas mal, déjà. Non, mais c'est une chose à la fois, quoi. Que parce que j'ai fait, parfois, dans ma carrière, j'oublie un peu, mais effectivement, j'ai été enseignant en art graphique dans une école d'art à Nantes, ouais. À l'AGR, que j'adore. J'adore cette école parce que je trouve qu'elle forme très très bien des futurs DA, designers, illustrateurs, etc. Et donc j'ai eu la chance de former des bacs plus 5 là-bas. Mmh. Et j'ai aussi déjà appliqué un peu les conseils, enfin j'ai déjà donné un peu les conseils à mes étudiants pour les préparer à la vie professionnelle. Chose qui se fait pas beaucoup en réalité dans les écoles. Oh ouais. Et j'en garde un super souvenir. Donc s'il y a des gens de l'AGR, je leur fais des gros bisous, comme ça, voilà. Eh bien, Dinosaur Master, tiens, bonjour Maïté, Maïté Francky que j'ai reçu connais il pas. Y a quelques... Non, jamais vu connais pas. Mince, ouais, on ne pourra pas lui demander de bon conseil alors. Que j'ai reçu il y a quelques temps. Donc pour tous les gens qui ont l'habitude de la chaîne YouTube, vous savez comment ça marche YouTube, vous vous abonnez, machin, tout ça, ça c'est le classique. Par contre, ce qui va plus vous intéresser, c'est que sur la chaîne YouTube Adobe France, quand on reçoit des gens, en général, on essaye d'avoir un petit peu de contenu autour d'eux pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Donc là, vous avez Mike, et vous verrez que sur le lien... Que j'ai fait passer, regardez, c'est nous. Ouais. Sur le lien que j'ai fait passer, il y a évidemment son site internet. Je remettrai tout à l'heure ton Instagram parce que ça servira. Et il y a le Meet the Talent parce que c'est là que je t'ai rencontré en premier. Je t'avais jamais vu avant en vrai. Sur lequel tu reviens sur toute ta carrière, sur qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, etc. C'est 20 minutes de pur bonheur, extrêmement sérieux comme tu sais le faire. Voilà, c'est ça. Et donc n'hésitez pas. Pour tous les autres, si jamais vous cherchez à voir d'autres masterclass, hein, bah, vous venez. Donc sur la chaîne Adobe et vous allez pouvoir retrouver de grands talents mais aussi donc des sujets techniques, des tutos, tout ça, parce que ça peut servir de se former, je tiens à le dire maintenant. mais vous retrouverez aussi des illustrateurs, des graphistes, etc. Et vous retrouverez Maïté Francky comme par hasard. Et ouais. Non, je l'adore, elle est super, elle est trop talentueuse. Elle est extrêmement talentueuse. Mais oui. Et c'est pour ça qu'elle est venue chez nous. Oui, bien sûr. C'est un peu l'idée. Et j'ai oublié de dire un truc quand même. Ah. C'est que je vis en Martinique, mec. Ok. Donc là, chez moi en ce moment, il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés. Ouais, alors, ouais. Donc je me suis pris 30 degrés de moins. Mais moi je suis content. Hein. On va faire un sondage. Quelle est la température chez vous, tous les gens qui nous suivent aujourd'hui sur le direct. S'il y en a qui dépasse 30 degrés, sérieusement, là, chapeau. C'est pas de chance, ouais, mais ça se pourrait, ça arrive. Mais moi je suis content, hein, parce que tu vois, j'ai tellement chaud en Martinique que là, honnêtement, je suis bien, tu vois. Vraiment, là, il fait frais, ça fait du bien. Et d'ailleurs, si tu vois un mec en chemise hawaïenne sur le Trocadéro. C'est toi. N'appelle pas les flics, hein, c'est moi. Hein. Tout va bien. Bien, bien, bien. Et du coup, donc si je me balade sur ta vie, ton œuvre, je me balade plutôt sur ton site ou je me balade sur ton Instagram? Ouais, sur mon site, ouais, très bien. Donc tu disais qu'il y a longtemps, tu dessinais des hamburgers. Je vois que c'est resté. Ça m'a jamais lâché. Ouais. Ça t'a jamais lâché là-dessus, mais par contre, t'es pas hyper fort pour attribuer une marque sur un produit, visiblement. J'ai beaucoup de mal, tu vois, et du coup, là, c'était un exercice et je sais que j'y arrive pas. Je mélange les marques tout le temps. Ouais. Bah, si vous allez voir mon site, vous allez comprendre. Parce que là, ça a l'air complètement débile, en fait, ce que je dis. Non, mais faut tester. De toute façon, vous avez... Pardon, vous voyez exactement la même chose que nous en direct, puisqu'ils sont sur l'écran, tu vois, ils ont les mêmes, petits liens. Donc, tes premiers hamburgers à l'école primaire, ensuite des études... Maternelle, mec, ouais. Bien sûr. je savais pas que les enfants de maternelle connaissaient déjà les hamburgers. Si, moi aussi je connaissais. Ah, 30 degrés en Martinique, tu vois, on a trouvé un autre Martiniquais. 3 degrés, ah ouais. 15 degrés à Montpellier, c'est pas mal Montpellier. 0 en Normandie. Ouais. Nolise, en plus je sais même pas où c'est. Moins 4 degrés, ouais, là ça pique. Ouais, moins 4 c'est dur hein, quand même. J'espère que c'est en montagne pour justifier le truc, les bottes et tout. Donc en termes d'illustration, par contre, si on regarde ce site, est-ce que t'as tout gardé, est-ce que t'as écrémé?
Parce que c'est le principe d'un site en général. Ben, en fait, le truc, c'est que j'ai des clients qui sont très très variés. Et je travaille notamment pas mal pour la publicité. Hein. Vous verrez si vous cherchez un petit peu. Donc, il y a des choses dont on est très fier, des choses qu'on a moins envie de montrer parce que peut-être c'est moins cohérent avec le reste du travail. Ceci dit, on voit quand même pas mal de marques pour qui j'ai travaillé là, sur mon site internet. Donc oui, il y a toujours une sélection, c'est sûr. De toute façon, je pense que ça n'a pas un grand intérêt de tout montrer. Il vaut mieux montrer un univers qui soit cohérent, qui soit bien dans notre ADN, dans notre style, plutôt que de tout montrer. Après, on peut montrer le process, et des fois, quand on est en train de travailler sur quelque chose, évidemment, ça peut être intéressant, mais voilà. Moi, en tout cas, je tiens un petit peu à garder une sorte de cohérence vraiment dans mon travail. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vraiment le côté très pop et coloré, le côté influencé par la culture américaine, le vintage... Et puis voilà, ce genre de choses, quoi. Donc il y a beaucoup de paysages aussi, parce que je suis très fan de plus en plus de paysages. Voilà ce que je peux dire. Et du coup, les paysages, donc Martinique, parce que tu y habites maintenant. Bah oui, j'étais un peu obligé quand même. C'était un rêve depuis longtemps, ou c'est première étape vers les États-Unis qui sont derrière? Ouais, il y a un petit peu de ça, parce qu'effectivement, je rêve d'aller vivre aux États-Unis un jour. Je me rapproche, je suis pas très loin de Miami, je respire presque le même air qu'eux. Mais non, la Martinique, c'est parce que c'était un kiff, un besoin d'aventure, un besoin de liberté, de grands espaces, de nager avec les tortues, tout ça. Je continue ou c'est bon, là, ça y est, t'as... Ouais, c'est bon, je pense que... Okay, d'accord, ok. Ouais, tout le monde est un peu déprimé. ouais, j'ai peut-être encore la marque de bronzage des lunettes, là, je sais pas si on voit, mais bon, ouais, c'était... Ouais, avant-hier, j'étais sur la plage, je nageais dans l'eau transparente. Ouais. Non, mais t'inquiète, quand t'auras la grippe comme tout le monde, ce sera parfait. Non, mais alors, tu sais, c'est très marrant, parce qu'en fait, quand tu vas à la pharmacie là-bas, tu dis, voilà, j'ai besoin de vitamines pour mon fils, parce qu'il est un peu fatigué en ce moment, il te dit, ah, mais c'est normal, hein, avec la chute des températures, tout le monde tombe malade. Mais le mec, il fait 30. Il fait 30 degrés, mec, avec la chute des températures, mais tu rigoles, quoi. C'est et oui, c'est le risque. Oui, c'est différent, quoi. C'est un offset, c'est un décalage, il faut s'adapter. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon, toi, t'es bien adapté. C'est génial, ouais, super. J'adore la Martinique. Entre-temps, t'avais fait directeur artistique en agence de pub. Oui, j'étais chief design officer, tu vois. Donc j'étais un peu responsable du design chez Proximity BBDO pendant quelques mois. D'accord. J'ai appris plein de trucs, c'était une très bonne expérience. Voilà, après moi j'ai du mal un petit peu à rentrer dans le format agence, mais ça c'est aussi parce que chacun a ses limites, et puis je crois que en fait j'aime beaucoup le fait de travailler en freelance, c'est vraiment un truc que j'adore, je trouve ça très très chouette, quoi. Carrément. Du coup, en freelance, ça veut dire trouver des clients, recruter, etc. On voit qu'il y a... Non. C'est eux qui me trouvent. C'est eux qui te trouvent, hein. Non, j'ai... Et ils trouvent pour de vrai ou pas? T'es obligé d'aller les chercher? Il y a tous les cas de figure. En fait, il y a bien sûr le fait de travailler, comme j'expliquais, de toute façon mécaniquement, comme ça fait 20 ans que je travaille, forcément le réseau se crée, et puis il faut entretenir ça. Donc il y a des gens qui connaissent mon travail depuis longtemps, qui m'ont suivi. Il y a bien sûr, moi aussi, des fois, je démarche, hein, évidemment, comme tout le monde. Hein, on peut jamais se dire qu'on est tranquille à 100% au point de jamais démarcher des clients. Puis, en plus, on a toujours des clients pour qui on aimerait bien travailler. Ouais. Et c'est pas forcément ceux qui viennent naturellement. Donc, il faut aller les chercher un petit peu. Puis, moi, je pense qu'en tout cas, la meilleure méthode, en tout cas pour quelqu'un qui fait des images, pour démarcher des clients, c'est de faire des images qu'on rêve de faire pour des clients, mais on les fait pour soi-même. Et puis, on communique dessus. Et puis, finalement, les gens qui sont attirés par ça, ils finissent pas... Enfin, ça crée une sorte de... Forcément, ils tombent dessus. Forcément, il y a des échanges avec ça. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Ce pour quoi on a la passion. Et puis, du coup, ça génère de l'intérêt de la part des gens qui sont intéressés par ça, quoi, tout simplement. Quoi. D'accord. Il y a TMPX qui demande si tu es dans une sorte de midlife crisis. Oui, c'est-à-dire que rien de grave, mais c'est juste, effectivement, au bout d'un certain moment dans sa carrière, on se pose des questions, on se dit, est-ce que je dois continuer de faire des illustrations, est-ce que je fais d'autres choses? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai quand même un peu plusieurs cordes à mon arc aussi, il y a vraiment la partie design, la partie direction artistique, j'aime de plus en plus aussi manager des gens, coacher, donner des conseils, faire des talks et tout ça, ouais. Donc voilà, j'adore faire plein de choses, donc... forcément on se pose des questions, mais c'est pas tellement un midlife crisis personnel, tout est très bien pour moi et tout, mais c'est plus effectivement de je pense que c'est assez simple de se remettre en question et puis de se dire qu'est-ce que je ferai dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que j'ai encore envie de refaire la même chose, est-ce que j'ai envie d'avancer, est-ce qu'à 90 ans je serai là avec ma souris encore faire des paysages et dessiner des hamburgers.
Je sais pas. Tu sais pas, et non. Tu veux découvrir tranquillement une chose à la fois, quoi. C'est ça. Bon, j'allais te poser une question, mais en fait, la réponse est dans le titre. C'est pas toi qui as fait l'animation sur le petit motion de New York, hein. Non, ce n'est pas moi. Et c'est quelqu'un que tu connaissais ou c'est quelqu'un qui est allé te demander s'il pouvait piocher ton travail ? Eh bien, je ne me souviens plus du nom, c'est une honte. Paulin Girard. Ah, Paulin Girard, voilà, c'est ça, Paulin Girard, avec un super motion designer. Et en fait, ouais, il avait vu mon travail passer, puis il s'est dit, ah, si tu veux, ça peut être rigolo, je te fais un petit truc et tout. Puis il a fait une toute petite animation qui est super rigolote. Super mignonne. Et voilà, alors à la base, on voulait vraiment pousser le truc et le faire aussi pour Paris, puis pour tous les éléments de New York. Mais c'est comme tous les gens qui sont talentueux, il est débordé, et donc du coup, forcément, il n'a pas tellement le temps de faire. Mais voilà, rien que ce petit truc déjà, je trouve que c'est très très fun. Et puis ça correspond bien à mon univers un peu pop, un peu qui se partout, qui est rigolo, qui se prend pas au sérieux, quoi. D'accord, donc ouais, c'est de ça qui est parti. Et dans des cas comme ça, quand un motion designer vient te voir pour refaire de l'illustration, est-ce que tu lui files tes images, genre tu lui dis, tiens, prends les vecteurs, débrouille-toi, ou s'il demande gentiment, c'est quoi, c'est juste qu'il y a toujours... Tout ce qu'il veut, en fait, ce qui l'arrange, en fait. Honnêtement, ça dépend des méthodes. C'est vrai que les motion designers ont tous un peu chacun leur méthode. Il y en a qui disent non, tu me files le travail vectoriel. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de motion designers qui sont eux-mêmes illustrateurs. Parce qu'ils ont d'abord, ils se sont exercés d'abord sur leur propre truc. Donc, ils savent comment ça marche. Moi, franchement, j'admire. Il y a des motion designers qui sont absolument incroyables. Ils savent tout faire, quoi. Donc en fait, ça dépend de ce qu'ils me demandent. D'accord. Tout simplement, je m'adapte. Oh, bien, très très bien. À bon entendeur. Du coup, il y a quand même pas mal de matière. Ça, c'était un poster que tu avais réalisé ou c'était juste une illus ça... C'était une petite série en fait que j'avais fait. C'était à l'époque, je venais de démarrer mon Instagram et je m'étais dit, bon, étant très fan de la culture américaine et de New York et tout ça, je m'étais dit, tiens, je vais dessiner un peu tout le mobilier urbain. Tous les trucs emblématiques. Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais fait toute une série avec ça, puis ça avait fini sur un poster un peu avec tous ces éléments. Ouais. Puis j'ai fait un peu l'équivalent sur Paris. Ouais. Et je suis assez content de Paris parce que il y a, même si ça fait quelques années hein, maintenant que j'ai fait ça, mais en fait il y a vraiment le côté, c'est pas forcément le Paris Amélie Poulain, c'est aussi le Paris un peu crado. Donc on voit les poubelles, les chiottes, les bouteilles de vin qui sont à côté du container, enfin ce genre de truc. Donc c'est un peu mélangé, c'est à la fois le côté un peu glamour rigolo de Paris, mais aussi le côté un peu crado, parce que Paris c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu ces ambiances un peu mélangées, quoi. Et ces effluves. Ces effluves, ouais, ça se sent bien dans le métro le matin, quand le métro avance. Ouais, c'est clair. Alors, il y a Gabriel qui se demande comment tu arrives à gérer une vie de papa, une vie pro, parce que pour lui, avec deux, c'est pas toujours simple. Je comprends, hein, parce que franchement, deux, c'est énorme. Hein. Ça fait beaucoup d'enfants. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai six enfants, en fait, effectivement. Non, ce n'est pas une blague, j'ai vraiment six enfants. Ouais, si vous voulez vraiment savoir, alors... Tous les détails précis sur la vie de Mike Stefanini ont été dévoilés lors de la session Meet the Talent. Il y a le lien hein, là en bas, Meet the Talent. Vous pourrez aller voir. Ça réserve des surprises. Il ne cache rien. Ou presque. C'est décent. C'est propre. Ah, c'est très, voilà. Oui, tout à fait. Et ouais, pendant 20 minutes, tu nous redétailles vraiment tout, et notamment toutes ces questions-là. Si jamais ça vous intéresse, Meet the Talent, vous les retrouverez. Il doit y avoir les liens quelque part dans la description. Carrément. Pour pouvoir vous inscrire et venir avec nous, nous rejoindre. Ça permet de prendre un verre avec les artistes qu'on reçoit. Ouais, c'est super. De faire du contact, de faire des liens avec des gens. Il y avait pas mal de gens qu'on a reçus ici qui se sont retrouvés au Meet the Talent et vice-versa. Donc n'hésitez pas, venez regarder là-dessus. Je pense que vous apprécierez bien. Et ce truc-là est tombé quand même juste avant que tu déménages. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, pour répondre à la question super rapidement de comment gérer une vie de famille en même temps qu'un travail, en fait, je ne sais pas, parce qu'il y a autant de façons que de gens et que de types de familles, etc. Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir une femme formidable qui me soutient, et voilà. Après, c'est beaucoup d'organisation, c'est sûr. Mais, et puis, il y a aussi des choses... Il y a aussi des choses que j'ai pas le temps de faire. Ouais. Par exemple, ça fait des années que je dis que je vais enfin développer mon petit shop pour vendre mes posters, etc. Et en fait, j'ai du mal à trouver le temps parce que forcément, déjà, juste le temps de travailler, plus travailler sur mon style personnel, faire des illustrations et gérer juste le travail. Tout ça, c'est déjà énorme. Ouais. Voilà, mais après, c'est aussi parce que c'est ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que peu importe le temps que j'ai, je vais essayer de toujours trouver un petit moment pour faire des choses que j'aime faire, de l'illustration, etc.
Et puis voilà quoi. Donc c'est une question d'avancer. En fait, c'est pas tellement. Des fois, on se stresse avec le fait d'avancer vite. On va avancer vite, on se fixe des objectifs et puis on n'y arrive pas. Est-ce qu'on n'y arrive pas? Et des fois, comme je disais à mes étudiants, des fois dans une carrière, quand on démarre, en fait, on est très frustré. On veut que tout aille vite, on veut tout réussir, on veut que tout défonce et tout ça. On a envie de montrer au monde qu'on est capable de ce dont on est capable en tout cas. Mm-hmm. Et il faut accepter que des fois, il faut du temps. C'est tout. Et donc, ce qu'on pensait faire en 6 mois, peut-être qu'on va le faire en 2 ans. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est juste d'avancer, de pas avoir de frustration, mm-hmm. et puis de sentir qu'on progresse, quoi. Ouais. Sentir qu'on progresse. Donc, alors, du coup, justement, je rebondis sur dans un bout de phrase que tu viens de nous dire, sur le fait que tu travailles pour faire avancer ton style aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas. T'as une méthode et tu sais qu'elle fonctionne, tu l'as fait évoluer quand même, c'est des recherches de quoi? De couleurs, de formes, de. Mais le problème, c'est que j'aime un milliard de trucs. Mm-hmm. Et en plus, aujourd'hui, on vit dans une époque absolument incroyable parce que, avec Instagram, avec Pinterest, etc., et aussi toutes les autres sources, Behance, extraordinaire aussi, on voit tellement de choses dingues que moi, personnellement, ça m'écœure pas, ça me donne pas le vertige, mais au contraire, je trouve que ça modifie forcément ta façon de voir les choses. On voit bien qu'il y a des tendances dans les couleurs, dans les manières de travailler, dans les textures et tout ça. Et donc tu peux pas, en fait, en tout cas moi je peux pas ne pas faire évoluer mon style. Et puis après l'autre truc, c'est que je suis pas un illustrateur qui est finalement très productif, même si peut-être je donne une autre impression, mais je réfléchis beaucoup à mes illustrations, je les conçois presque un peu dans ma tête d'abord, et du coup quand elle sort, j'y mets tout mon cœur, je fais vraiment ça avec beaucoup d'applications. Et puis voilà, donc en fait, chaque illustration, j'y consacre tellement d'énergie que c'est pour moi l'occasion vraiment de progresser et de faire un petit peu différemment que la fois d'avant, quoi. D'accord. Donc, voilà. Alors que d'autres vont dessiner tous les jours, et je trouve que c'est un excellent exercice, hein, bien sûr, et ça fait aussi progresser, mais voilà, moi c'est ma manière un petit peu d'avancer, quoi. Ouais, carrément. Bah, je vois d'ailleurs dans le chat qu'on a été rejoint par Johan Quintar, qui avait fait un mythe de Talat aussi. Mmh. Avec, salut, Johan. Ses personnages à la tête bleue, entre autres. Et Raphaël Bluzet, que j'ai eu la chance de recevoir ici pour présenter son film sur tout savoir sur le cosmos. Qui est un excellent film où il s'est fait vraiment plaisir. Et je sais qu'il est en ce moment en train de dessiner image par image. Le film suivant, c'est un fou. Ouais. Donc, alors là, effectivement, pour moi, ces gens-là, c'est des super héros, quoi. TMPX demande, nous dit que c'est extraordinaire ta maîtrise des dégradés. Vivement la petite démo ou pas? Si. On va faire une petite démo. On va y arriver. Jérôme Pastorello, bonjour. Tu veux dire que tu adaptes régulièrement ton style à la tendance? Non, c'est pas à la tendance, c'est plus à mes goûts, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que. Mais je m'en rends même pas forcément compte. C'est-à-dire que, effectivement, par exemple, typiquement, les dégradés, je me suis rendu compte que c'était une constante. Mm-hmm. Après, sur certaines illustrations, j'ai commencé à travailler avec des éléments qui sortaient un peu du cadre. Ouais. Et puis je me suis dit, parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée, j'ai testé, peut-être je l'ai vu quelque part, je sais même pas forcément. Et puis je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, donc j'ai approfondi le truc, donc des fois je vais un petit peu trop loin, donc après je me dis non, là c'est trop déstructuré, donc je reviens un petit peu en arrière, et voilà, c'est pas tellement que je m'adapte, enfin je suis une éponge, hein, comme tout le monde, hein, mais c'est plus en fait, moi ce que j'ai dans ma tête, ma culture, mes images, parce que je suis très très fan donc du vintage et de culture américaine, donc ça passe par ce filtre là, et puis après moi il y a des trucs que j'ai envie de dessiner, et tout ça en fait ça se retrouve là-dedans. Donc voilà, puis ben, là tu montres des images. C'est vrai que je suis très. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu autour de la nature, du camping, les grands espaces, l'aventure. Est-ce que c'est le bus de Jonathan Livingston? Enfin non, comment il s'appelle? C'est celui de Into the Wild. Merci, et c'est pas Livingston de son nom, c'est. De quoi tu parles, de l'acteur, le nom de l'acteur? Oui, justement, comment il se fait appeler dans le film. Je me souviens pas. Je suis très fan du film, mais je me souviens pas du tout. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un petit clin d'œil, effectivement, au film. Je suis passionné de cinéma aussi, c'est une très grosse influence pour moi dans ma vie. Et d'ailleurs, je pense que ça va se ressentir de plus en plus. J'ai très envie de faire des posters, toujours dans mon style, avec ces espèces d'immensités, etc. Mais je sais pas, pourquoi pas Thelma et Louise. Jurassic Park, Into the Wild, justement, enfin aller un petit peu plus loin dans la référence au film, et peut-être faire une série là-dessus. Je trouve que ça pourrait être vachement sympa, quoi.
Est-ce que, du coup, il y a certains de tes visuels qui ont été repris tels quels pour des posters, pour des affiches, pour des couvertures de bouquins? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe ou pas vraiment, en fait? Ça dépend. C'est vrai que le truc qui se passe la plupart du temps, c'est plutôt je fais des images que je kiffe, que j'assume, on va dire, et les clients viennent vers moi et ils me disent voilà, un truc dans ce style-là, voilà, j'adore. Bon, après, les clients, ils ont leurs impératifs, ils ont leurs chartes, etc. Donc, ce que tu fais à la fin, c'est un peu différent. Donc, des fois, c'est trop différent et du coup, je me dis dommage, j'aurais bien voulu que ce soit. Mais bon, voilà, c'est le boulot, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Voilà, exactement. Et puis, des fois, ça va marcher. Vraiment, on va me demander soit de reprendre des visuels que j'ai déjà réalisés, soit de me dire vraiment de faire vraiment ce style-là. Et du coup, c'est cool. Mais bon, après, voilà, faut se détendre avec ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on croit beaucoup quand on démarre. On a vraiment l'impression que quand on a son style, on va nous demander de faire exactement ça, etc. Et en fait, non, la vérité, c'est qu'il faut toujours s'adapter. Il y a une demande, il y a un client. Les gens sont très gentils de te faire travailler, tu vois. Donc il faut s'adapter, quoi. Ça fait partie du jeu, c'est tout. Hein. Ok. Ok. Et du coup, il y a eu toute une série sur laquelle tu étais en mode hyper simplifié. Ouais. Parce que là, on a vu tous les visuels, du dégradé, etc. Du hyper simplifié, du très mécanique, on dirait de la sérigraphie, on dirait ces vieilles impressions. Il y a de la matière dessus, il y a de la texture. Pourtant, toute ta base, c'est du Illustrator au départ. Ouais, tout démarre sur Illustrator, effectivement. Comme je suis je suis vraiment un designer à la base. Et d'ailleurs, je continue de faire du design. J'aime faire de la maquette dans InDesign. J'ai créé des magazines dans ma carrière. J'aime beaucoup tout ça, en fait, et tout ce qui est identité visuelle. J'ai vraiment une très grande appétence pour ça, même si ça ne se voit pas forcément dans mon book, mais j'expliquerai aussi pourquoi après, si tu veux. Mais il y a toute une part de ma carrière où j'ai vraiment été purement un designer, et je le considère que je suis toujours. Donc en fait, c'est vrai que pour moi, l'outil un peu de base du designer, ça reste Illustrator, et c'est la manière dont j'ai amorcé ma transition entre le design et l'illustration, et donc j'ai conservé cet outil comme outil principal. Là où d'autres ont vraiment une formation d'illustrateur et vont directement dessiner sur la tablette dans Photoshop, moi j'ai vraiment ce truc un peu step by step où j'analyse vraiment les images, je m'inspire beaucoup d'images qui existent pour ce côté un petit peu réaliste, et donc le début de mon travail est beaucoup sur Illustrator. D'accord. Ouais. Et après je passe dans Photoshop pour améliorer les couleurs, les textures et tout ça, quoi. Tout à l'heure on ira regarder ça. On ira regarder ça. Est-ce qu'il y a une image en particulier sur laquelle je ne me serais pas encore arrêté, ou t'as tellement envie d'en parler que tu te dis c'est gâché, t'as pas cliqué dessus? Je sais pas, parce que j'ai pas forcément fait attention à tout. Tu connais pas ce site? Non, c'est quoi? C'est sympa. Non, alors je dirais ça par exemple. Ouais. Je sais pas si t'as cliqué dessus, en fait, je ne sais non. plus. Non. Mais voilà, ça c'est. C'est justement, alors c'est rigolo parce que j'ai fait ce visuel pour le plaisir. J'ai passé beaucoup de temps parce que chaque picto, en fait, qui est quasiment une illustration, hein, ça prend du temps. Moi j'avais vraiment envie, pour cet exercice que je me suis un peu imposé, c'était de justement sortir aussi vraiment du truc flat design qui est complètement dépassé pour moi aujourd'hui. Enfin, c'est devenu, pour moi, c'est du image manque, etc. Et j'en ai vendu, tu savais, des tonnes de flat design. Forcément, quand tu es un peu. Quand tu te débrouilles bien avec Illustrator, forcément, il y a eu beaucoup de travail pour des gens comme moi pendant longtemps. Donc, je voulais sortir de ça et je voulais vraiment essayer d'un peu plus analyser les objets que j'avais et de les interpréter à ma manière. Et donc, c'est ce que j'ai fait un petit peu avec ce travail, où il y a pratiquement que des arrondis sur tous les objets. Il y a presque rien de fait dans Photoshop, là, en l'occurrence. D'accord. Donc, c'est vraiment que avec les dégradés d'Illustrator. Les dégradés d'Illustrator. Les effets en plus. Exactement. Il a juste rajouté un peu de grain dans Photoshop. C'est la chemise que tu portes aujourd'hui en plus. Eh ben, on dirait presque, ouais. T'as vu, hein, ouais, Lumberjack. Ah, ouais. Bravo. Et donc voilà, donc ce travail, je l'apprécie beaucoup parce qu'il y a vraiment. Voilà. Et puis c'était aussi une sorte de. M'imposer aussi de dessiner un peu chaque jour un nouveau picto ou deux. Voilà, j'adore dessiner les objets, en fait. Et puis en fait, ce poster, il a plu à un de mes clients qui m'a dit bah écoute, nous on veut ce poster là, c'était pour une sorte de salon outdoor à Annecy, si je dis pas de bêtises, et du coup ils m'ont juste demandé de changer quelques objets pour que ça colle un peu plus à leur événement. Mais voilà, typiquement, voilà, c'est un poster que j'ai fait pour moi. En fait, c'est souvent un truc que je dis, c'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent il faut analyser un peu son book et se dire j'aimerais bien bosser pour tel type de client, et tiens, ça manque en fait dans mon book. Ben allez, vas-y, je le fais, je me lance et tout,
Et voilà, donc à un moment, par exemple, je me suis dit, tiens, ça manque de personnages. Je suis pas très doué pour dessiner des personnages, parce que je suis pas un excellent dessinateur, on va dire, comme ça, from scratch, dessiner un mec et tout. Donc je me suis dit, tiens, ça manque un peu de personnages. Je me suis imposé de le faire, donc j'en ai fait quelques-uns, etc. Et puis, bah, ça a attiré des clients vers moi, donc j'ai bossé grâce à ça. J'ai bossé pour Orange et pour ma RATP, par exemple. Donc qui sont des clients quand même plutôt cool, hein, plutôt sympas. Et donc voilà, donc des fois c'est bien aussi de se remettre en question, de se dire bon, qu'est-ce qui manque dans mon book, qu'est-ce qui va pas, demander aux autres. Est-ce que toi t'as envie de le faire, etc. Parce voilà, c'est ça. Il y a toujours la question de est-ce que je fais les images qui me plaisent ou est-ce que je fais les images qui se vendent. Ben, en fait, en l'occurrence, là je me suis dit bah, dessiner des personnages c'est très très cool. Voilà, donc ça me plaisait aussi de le faire. Si ça avait été autre chose, j'aurais fait autre chose. Mais là je me suis dit tiens, ça manque et ça me plairait de le faire et je pense que ça peut correspondre aussi à une demande. Donc je me suis dit, allez, je le fais, et puis on verra. Et en général, si on n'est pas trop manche pour communiquer sur son travail, bon, bah, si les gens voient un peu ton travail, au bout d'un moment, ça finit par générer des commandes. Carrément. Bah, écoute, dans ce cas-là, je te propose de migrer par là. Attends, je vais juste vérifier un truc sur ta machine. Ça marche. Je suis toujours curieux. Hop. Est-ce qu'il a réussi à se mettre à jour tout seul, le petit Photoshop même. Petit Photoshop. Je sais pas. Mise à jour, la version 20, toutes les applications... On a un dernier Photoshop, trop bien. Cool. Super. Voilà. Allez, on migre chez toi. Boum, boum. T'es prêt ? Attention, décollage. Alors, je sais pas déjà si tu. Est-ce que. J'aimerais bien vous montrer. Je vais pas forcément dessiner de A à Z mon truc. D'ailleurs, je vais même pas tellement dessiner. Mais je vais plutôt vous montrer un peu mon process et comment je fais pour arriver vraiment de mon idée jusqu'à la fin. Et je vais vous montrer un petit peu mes astuces et comment je fonctionne. Voilà, je vais pas forcément dessiner en live, parce que bon, après, ça reste du dessin vectoriel. Bon, chacun ses astuces, hein, c'est sûr. Hein, mais voilà, c'est plus aussi montrer vraiment comment je fonctionne. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a une... On a une caméra. Là, ouais. Mais par contre, il faut tendre le bras. Et ça marche, ça, pas de problème. Donc, ça démarre toujours avec des croquis. Donc là, je vais vous montrer... comment j'ai fait pour ma dernière illustration qui s'appelle Palm Springs. C'est tout simplement parce que j'ai eu la chance de voyager aux États-Unis et j'ai trouvé que c'était un endroit qui était assez incroyable parce que c'est vraiment un peu un endroit qui est figé dans le temps entre les années 40, 50, 70. Il y a vraiment une ambiance très particulière qui est très alimentée, enrichie par les gens qui vivent là-bas. Donc il y a vraiment ce côté mid-century dans l'architecture. Il y a aussi plein de vieilles bagnoles et tout ça. Donc c'est vraiment un univers que moi j'adore. Carrément. Donc je me suis dit, tiens, je vais dessiner ça, je vais faire une illustration là-dessus. Donc, quelques petits croquis. Hop là, ça passe. Si ça passe pas, on va tenter un autre truc. Je sais pas si on voit parce que c'est peut-être un petit peu avec le blanc et tout. On va voir si ça marche un petit peu mieux. J'essaye de récupérer une vidéo. J'ai pas du tout anticipé ça, dis donc, t'as vu. N'importe quoi. Donc en fait, bon, de toute façon, le truc c'est que j'ai des carnets de croquis, mais des fois c'est aussi juste du papier A4 qui est à côté de moi. Qu'est-ce que je fais? Je continue de montrer ou est-ce que j'attends de la compter? Je vais montrer, parce que ça marche. Ouais, donc c'est vraiment des croquis très très basiques de composition. Hein. C'est vraiment. Alors des fois je vais beaucoup plus loin, et des fois pas. Et là, je savais déjà à peu près ce que je voulais. Donc voilà, là c'est un peu pour la végétation, tout ça. Les cactus, parce qu'il y a plein de cactus là-bas. Du coup, pareil, tu fais ta fiche à la main après. Ouais, alors justement, je vais montrer ça aussi après. Voilà, ça c'est toujours pour les palmiers. Voilà, alors j'essaye d'apporter du soin aussi à ce que je dessine, parce que les palmiers, on peut le faire comme ça, à l'arrache et tout, aux broches, mais en fait, je me suis dit, moi, c'est vraiment l'occasion de. Tiens, c'est comment un palmier, comment est-ce que je peux l'interpréter moi-même, et pour que ça ait un peu de gueule et que ça soit pas forcément comme tout le reste. Et voilà, encore un petit exemple. Et puis voilà, pour la typo, je montrerai tout à l'heure peut-être. Mais voilà, j'ai eu quelques dessins de nuages qui m'ont pas servi du coup pour cette illustration, mais qui me serviront peut-être pour un autre truc. Alors ce qui est dingue, c'est qu'en fait, moi, comme je vis en Martinique, j'aime bien le redire ça. Non, mais on sent qu'il y a. En fait, c'est frais. J'ai découvert quelque chose vraiment en vivant en Martinique et en observant autour de moi, c'est que les nuages. Compte énormément dans par rapport à ce qu'on voit, le sentiment d'immensité, quand on voit la mer, les nuages, en fait c'est presque débile de dire ça, mais c'est vraiment un tableau chaque jour qui est différent, et je me rends compte en fait que vraiment les nuages structurent énormément ce qu'on voit devant les yeux, en fonction de la taille, de la hauteur, de la couleur, etc. Et donc je me suis dit, ça m'inspire aussi, tu vois, pour la suite de mon travail, et d'ailleurs ça va se ressentir dans cette illustration que je vais montrer, parce que justement le ciel et le nuage prennent une part importante. Une vraie part dessus. Ouais. Donc alors,
Je nous glisse vers chez toi. Hop, ici. Ouais. Yes. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais montrer, en fait... hop, je vais baisser ça. Et ça aussi. Et ça aussi. Ça, je n'en ai pas besoin. Donc, souvent, dans mon travail, je passe pas mal de temps à regarder des images sur Internet. Alors, j'ai les mêmes sources que tout le monde, en fait. Pinterest, bien sûr, parce que c'est top. Il y a une sorte de... Vraiment, il y a plein d'images et ça va très, très vite. On trouve plein de choses. Mais j'utilise aussi beaucoup Flickr, en fait. D'accord. Parce que je trouve qu'on... Alors, pas forcément pour tous les trucs, mais je trouve que c'est une source, c'est une bande d'images hallucinante. Et surtout, c'est pas les mêmes images qu'on trouve sur Pinterest. Parce que Pinterest, au bout d'un moment, le truc tourne un peu en rond, donc ça, on voit tous un peu les mêmes images. Et donc, ça m'arrive souvent d'aller chercher. Puis en fait, ce qui est dingue aussi sur Flickr, c'est que t'as des mecs, ils vont aller dans le grenier de leurs grands-parents, ils vont tomber sur une malle en carton qui est remplie de photos d'époque, des années 40-50, ils vont balancer ça sur leur Flickr. Il n'y a personne d'autre qui va jamais avoir ces images-là. Donc, c'est un peu authentique. Et des fois, c'est une source d'inspiration. Voilà, c'est assez cool. Et donc, en fait... C'est Mister Cup qu'on a reçu là-dessus qui lui fait les rencontres. Il récupère des tonnes de matières, textures, des vieux papiers administratifs. J'adore. Je kiffe son travail. C'est mortel. Tout ce travail autour des textures, des papiers et tout. Et là, il vient de terminer son calendrier 2020. Ah ouais, j'ai vu ça. C'est magnifique. Ça franchement, aller voir. Ce qu'il fait, c'est dingue. Et donc, sur les brocantes, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai fait quelques brocantes parce que j'adore ça. Ouais. Et justement, j'ai racheté plein de photos vintage des années 40, 50, 60, 70. J'ai une petite banque comme ça à moi, enfin, rien qu'à moi, il n'y a personne qui les a, c'est génial, quoi. Donc, ça permet d'avoir des références, c'est super. Donc, là, pour ce travail, on voit ce qu'il y a sur mon écran ? On voit ce qu'il y a sur ton écran. Donc. Ok. Hop. Donc, pour ce travail, j'avais quelques photos perso, en fait, de quand je suis allé à Palm Springs, qui m'ont un petit peu inspiré. Donc, les photos en elles-mêmes, elles sont pas... Parce que je fais beaucoup de photographies à côté. Ouais. Celles-ci sont pas forcément très intéressantes d'un point de vue... Enfin, je les trouve pas forcément très réussies, mais simplement, ça me permet d'avoir une petite base pour voir, tiens, c'est comment un palmier, qu'est-ce que j'ai vu aussi, pour me rappeler un peu. Donc, voilà, là, on voit typiquement... On voit bien qu'il y a une base de structure. On voit, il y a vraiment le trottoir, une sorte d'allée, la végétation, la maison, puis on va plus en profondeur comme ça, et on voit la montagne dans le fond, donc là déjà on a des bases de qu'est-ce que c'est un peu l'atmosphère de Palm Springs, quoi. Voilà, typiquement ce genre de maison mid-century. Donc ça, ce sont mes photos, et après j'ai aussi bien sûr plein de références de photos que j'ai trouvées à droite à gauche, pour essayer de me plonger un petit peu dans l'atmosphère. Donc là, j'ai juste une petite sélection, mais des fois, mes dossiers d'images de référence, des fois, j'ai genre mes 300, 400 images, et je les regarde, et ça fait partie du plaisir pour moi de juste regarder les images. J'adore ça, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas forcément grand-chose à dire, mais voilà, c'est juste pour montrer un petit peu le style d'ambiance que je recherche. Donc souvent, il y a une bagnole devant aussi. Voilà, ça, c'est vraiment photo très, très vintage. Voilà le bitume qui est bien défoncé par le soleil. Ça c'est une photo de Los Angeles, mais j'aimais bien les couleurs. Voilà, des fois il y a la piscine, des fois il n'y a pas. Voilà, ce genre de matière aussi. La composition, là on voit la voiture qui est dans le garage au fond, j'adore ce genre d'ambiance. Tous ces trucs qui sont extrêmement plats, en fait. Donc, ouais. T'as des villes où tout est concentré en tours. Et les bords du désert, en fait, finalement tout est à plat. Exactement, c'est complètement dingue. Donc voilà, ça c'est ce genre de photos que j'aime bien. Après j'ai aussi, donc là j'ai quelques photos d'images, c'est des photos c'est mes photos de nuages justement de Martinique. Donc voilà, qui montrent un peu la densité des nuages, parfois c'est magnifique, quoi. Donc mes photos j'ai montré. Après j'ai aussi, comme je suis passionné de voitures américaines, j'adore ça, vraiment. Du coup, j'ai aussi un petit dos avec quelques voitures. Je connais pas toutes les marques par cœur, mais bon, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, je lisais Nitro Magazine. C'est un magazine spécialisé dans les bagnoles américaines. Et je connaissais toutes les marques par cœur. Je saoulais mes parents avec ça. Dès que j'en croisais une dans la rue. Les années, les modèles. Ah, mais je savais tout. Même des fois, les moteurs, je savais même pas ce que ça voulait dire, mais je connaissais les trucs techniques. Donc voilà, on a ce genre de... Je sais pas si c'est assez grand sur l'écran, mais... Voilà, ce genre. Donc là, on se rapproche du type de voiture que j'avais vraiment envie de dessiner. Là, voilà, je vais remontrer aussi des croquis. Ça sera pas mal, je remontre à l'écran. C'est pour tous les gens qui rêvaient de voir les croquis scannés, c'est parfait. Voilà, c'est du pur scan, hein, rien d'extraordinaire.
Et puis, bah, alors, après, c'est parti. Donc, je vais me mettre dans Illustrator. Et comment je bosse ? Ben, en fait, c'est tout simple. Hein. J'avais un peu dessiné, j'avais montré sur mes croquis les bases de ma construction. Et donc, je commence à dessiner. Donc, ça ressemble à ça. Si je monte un peu le tracé. Donc, ouais, bah, après, je ne sais pas si vraiment il faut que je dessine pour montrer, mais... hop, est-ce que ça rassure les gens si tu dessines ou pas ? Ouais, ils vont se dire, ah, c'est bien lui. Voilà, vous voyez, je sais faire un quadrilatère. Voilà. C'est mortel. Donc, non, mais voilà, tout simplement. Alors après, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec le temps, j'ai développé des petits raccourcis clavier qui me permettent d'aller plus vite. Donc, par exemple, pomme majuscule V, c'est vectoriser tous les contours, tout ça. D'accord. Donc, voilà, au lieu d'aller dans le menu... Comme ça, tu vas aplatir tes traces. C'est un truc que je fais beaucoup, c'est une petite astuce que je fais. J'aplatis mes contours, parce que des fois, mes contours deviennent les formes. Voilà, puis après, comme j'importe aussi dans Photoshop, enfin, voilà, des fois, je fais pas mal ce genre de trucs. Mais sinon, voilà, hein, c'est très, très simple. Vous voyez, c'est des aplats, enfin, c'est vraiment des formes très, très simples. Je démarre avec des formes très simples, juste pour essayer de poser un peu les choses. Voilà, c'est rien de fou, hein, a priori comme ça. Et puis petit à petit, j'avance. Et donc là, je commence à poser un peu... Poser les couleurs, les ambiances. Poser quelques couleurs, des ambiances. Je teste aussi pour voir un peu les contrastes et voilà, respecter aussi quelques règles pour les profondeurs, etc. Pour dégager un peu les lumières. Donc j'ai posé vite fait là les cactus que j'ai dessinés. Quelques zones d'herbe, copier-coller. Enfin voilà, j'y vais très progressivement par touche. Et puis petit à petit, comme ça, j'avance. Des fois, je change les couleurs, je me dis, tiens, est-ce que ce serait sympa ? Et souvent, je fais des captures aussi de mon travail. J'aime bien garder les étapes parce que je me dis, c'est vachement sympa en fait de voir, tu démarres d'un truc, tu avances, et puis tu sais qu'à la fin, tu sais que ça va changer plein de fois parce que tu vas améliorer ton illustration. Quoi. Donc là, on est déjà dans une étape qui est pas mal avancée en fait. Hein. Où déjà j'ai bien posé les choses. En fait, moi je peux le dire franchement. Ouais, tu voulais poser une question ? Non, vas-y, je t'écoute, je profite. Je trouvais très sympa de mettre l'accent un peu sur cette matière que j'ai montré tout à l'heure en photo parce que ça connote vraiment ce côté mid-century, des murs, des maisons. Donc je me suis dit, ça va être aussi un peu un élément clé de mon illustration. Je veux vraiment qu'on voit ce truc un peu de manière évidente, tout comme les briques et tout ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. En fait, des fois, pendant que je fais une illustration, je galère. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je ne sais plus comment faire pour avancer et qu'est-ce qui manque dans la composition de mon illustration. Et là, typiquement, je peux le dire franchement, j'avais un problème avec cette masse-là. Ouais. Donc, je voulais mettre des cailloux parce qu'on voit ça souvent. Et je voulais mettre des cactus, je voulais mettre de la végétation. Et ça ne marchait pas trop, je ne savais pas trop comment faire et tout. Et donc, c'est pas grave, j'ai continué d'avancer. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de mettre l'accent aussi sur la végétation pour faire un truc très, très beau. Donc j'ai vraiment dessiné sous ces palmiers, j'ai pris le temps de dessiner d'abord sur papier pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Et voilà, et on voit d'ailleurs que toujours, là je sais pas trop quoi faire de ma zone devant, c'est un peu foireux. Comment tu vas la gérer jusqu'au bout ? Voilà, comment je vais la gérer ? Ah, là on voit un petit bout de typo, mais je vais montrer ce process qui est un petit peu à part encore après. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas on a les éléments qui sont posés, donc vraiment on a la bagnole, une petite allée, la maison, les palmiers, la montagne, les nuages, le ciel, etc. Donc ça permet déjà de bien avoir le truc. Voilà, d'ailleurs on voit, j'ai le croquis qui est ici, j'ai mes dessins de palmiers qui sont par là. Et voilà, c'est la base. Donc après, par exemple le nuage, ça je l'ai fait avec le pinceau, hein, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait avec le pinceau, j'ai fait la forme comme ça directement. Je l'ai fait 2-3 fois avant d'avoir une forme qui me plaisait. Et puis voilà, voilà, là il y a aussi des tests en fait, avec les dégradés, qu'est-ce qui fonctionne avec mes couleurs. C'est vrai qu'en général, je pousse quand même assez loin le travail des couleurs dans Illustrator. J'aime bien faire ça. En plus, il est fait pour, donc c'est quand même assez... Ouais, c'est vrai qu'en plus, certaines options qu'on a aujourd'hui... De redéfinir les couleurs et qui permet de tester complètement une illustration, même sur les dégradés d'ailleurs. Ça, c'est un truc qu'on oublie. Tout à fait, j'y pense pas toujours. Ouais. Mais ça dépend vraiment aussi du mood dans lequel je suis. Des fois, je vais... ultra structurer mon travail, mes couleurs, ma palette, comme ça si je change une couleur, je change tout en même temps, etc. Des fois je pars comme ça à fond, j'ai pas le temps, je veux aller plus vite et tout ça. Et après des fois je regrette aussi, ça arrive. Ouais, il faut qu'il y ait un... Il faut avoir une méthode, hein, c'est important. Hein. Et donc là si je montre le tracé, donc ça commence à être un petit peu... ça commence à être un petit peu fouillis. Hein. Ouais. Ça commence à être un petit peu fouillis, mais... Mais du coup, tu bosses... Alors, ça me permet de rebondir sur une question de Daniel. Est-ce que tu bosses sur des calques séparés ou est-ce que tu mets tout sur un calque ?
Alors j'ai tendance à pas travailler avec des calques. Mmh. C'est dingue, hein. Ouais. Je sais, mais je m'attendais un petit peu à cette question. En fait, je fais des groupements, donc c'est-à-dire que quand je groupe, par exemple, je dessine ma bagnole à part. Ouais. Une fois que ma bagnole est dessinée, je la groupe. Ouais. Donc ça devient quasiment un calque en fait. Je veux dire dans la hiérarchie des trucs. Voilà. Et puis après le truc c'est que avec le temps j'ai quand même développé une certaine technique et c'est quand même assez bien rangé. Mmh. Je sais très bien, enfin je me souviens très très bien comment sont foutus mes trucs. Donc en fait j'ai pas, enfin je pourrais perdre du temps à faire des calques et tout, mais en gros une ça m'apporte. Tes groupes te servent déjà à l'isolation. Exactement. Alors Guillaume demande si tu travailles à la tablette ou à la souris. Écoutez bien, vous devriez trouver. Écoutez bien. Ouais, c'est ça. Tu fais bien le bruit du clic. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Je suis un gros fou du commande clic. Mmh. Et c'est vrai que je trouve ça super. J'ai déjà essayé plusieurs fois la tablette, etc. Mais encore une fois, ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme je suis un designer à la base, j'aime bien dessiner de cette manière, lentement, consciencieusement. Donc je pourrais le faire dans Illustrator avec, effectivement une tablette graphique, mais non, en fait j'aime bien dessiner vraiment avec la souris. Mm-hmm. Ça peut paraître un peu dingue. Je dis pas que je vais pas m'y mettre un jour, hein, c'est pas du tout la question, j'ai rien contre. Mais en tout cas c'est comme ça que je travaille pour l'instant. Et moi ça me bat en fait, j'aime bien ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avouer que les outils sont très très puissants aujourd'hui avec les tablettes graphiques et tout ça. Après, ça m'est arrivé d'utiliser la tablette graphique dans Photoshop pour les effets, justement, etc. Justement, pour les brosses, pour pouvoir caler tes ombres. Exactement, exactement. Et t'as vu, tu mets des petits messages pour te rappeler qu'il y a des nouveautés dans l'appli. Ça va ? Barre d'outils personnalisable. Ouais. Caché. Ça, ouais, très bien, très très bien. Ouais, non, il y a plein de trucs. Ça, très bien. Ouais, effectivement, il y a énormément d'options. Bon, là, je bosse avec votre version Kissy, donc j'ai pas tous mes raccourcis et tout ça, mais. Et. Par rapport à mon illustration, là, voilà, on sent que j'ai commencé à trouver une solution. Sur les fameux cailloux. Sur les fameux cailloux, je ne savais pas quoi en foutre, exactement. Et donc je me suis dit, bah si, bien sûr, je vais faire encore un plan encore plus proche de nous, et je vais rajouter ce plan. Et donc, voilà, j'ai tout simplement fait mon parterre de cailloux et de plantes. Et là, en fait, on a un résultat qui est déjà proche du résultat final. Du résultat final, parce qu'on voit que tu as commencé à structurer, c'est-à-dire que tu as quelques cernets en blanc qui réapparaissent, que ce soit les cailloux, même sur le mur d'ailleurs. Parce que du coup, tu le détailles un petit peu sans être allé. Oui, c'est vrai que j'utilise un petit peu. C'est une des petites nouveautés qui est arrivée au fur et à mesure de mon travail. J'aime bien laisser des tracés de temps en temps. Mmh. Je trouve ça sympa. Bon, voilà, c'est aussi. Ce sont des tests. Donc, on voit quelques filets. Qui sont apparents sur la voiture et tout ça. Et j'aime bien, voilà, ça donne un côté un petit peu plus spontané, un peu comme si on n'avait pas vraiment terminé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Tu peux répondre à est-ce que c'est tracé à la souris ou est-ce que c'est point par point à la plume ? Point par point à la plume. Ouais. Mm-hmm. Sauf pour les nuages, en l'occurrence. Donc, de temps en temps, il y a quelques objets que je dessine au pinceau, tout simplement. Mais en fait, il y en a assez peu. Hein. Concrètement, si on zoome sur mon travail, hein, comme je montrais, la plupart, c'est vraiment des objets que je dessine à la plume. J'adore la courbe de Bézier. Enfin, c'est un truc, je suis très familier de ça. Donc j'aime bien. Encore une fois, hein, c'est mon côté designer. J'aime bien que le truc soit bien foutu, comme j'ai envie. que tout soit rangé. Voilà, c'est ça. Donc je travaille vraiment beaucoup à la souris. Et donc, il y aurait plein de manières de le faire différemment. C'est-à-dire que pour avoir le même résultat qu'on va avoir que je vais montrer tout à l'heure que j'obtiens dans Photoshop, effectivement, il y aurait des moyens de le faire complètement différent. Mais après, chacun sa technique. Hein, Je pense que pour le coup, c'est sympa de savoir ce qui existe comme technique, justement pour trier, pour se dire est-ce que ça fait partie de ton process, est-ce que ça fait partie de ta réflexion. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a une option que j'aime beaucoup, moi, dans Illustrator. Avant que ça existe dans Illustrator, simplement d'avoir des formes comme ça, et puis de pouvoir tirer sur les poignées, les points d'ancrage pour arrondir. Mmh. Moi, je le faisais avant, à la plume et tout ça, et j'arrangeais les angles, etc. Quand ce truc a débarqué, j'étais comme un fou, quoi. Je dis, ah, mais génial, parce que vraiment, j'utilise énormément cette option d'arrondir les angles. Okay. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans... Si je zoome, par exemple, sur mon palmier, on voit que j'arrondis pas mal d'angles. Il n'y a pratiquement jamais de pointe. Là, il n'y a même pas de pointe du tout. Enfin, là, tiens, il y en a une qui traîne, parce que je pense que ce n'est pas le final. Mais voilà. De toute façon, après, tous ces arrondis, tous ces tracés vont être importés dans Photoshop, je vais montrer, et je vais passer avec un filtre. Donc, on verra même pas le côté très très net des choses. Mais voilà, moi, j'ai besoin de passer par cette étape-là pour travailler.
Alors c'est vrai qu'après des fois c'est un peu frustrant parce que il y a une grosse partie des gens qui voient mon travail que sur Instagram, ouais. Et donc ils vont pas voir ils n'auront pas la finesse du voilà. truc, mais c'est détails. Pas grave. Tu fais des tirages de tes posters des fois ou c'est ce que je te disais tout à l'heure, je manque de temps. T'as pas le temps de le gérer. Mais il y a des trucs qui vont arriver, il y a des trucs qui vont se passer. Là, dans pas longtemps, il y a des trucs qui vont se passer, c'est obligé. C'est prévu quand même. Mais ouais, ça fait partie des choses. Bon, en l'occurrence, ce poster, il va servir en fait à une association caritative. D'accord. Voilà, je place ça comme ça fait genre le mec est super sympa, tu vois, il est altruiste et tout. Non, mais bon, voilà, bref. C'est pour, en fait, pour. Les posters vont être vendus, c'est une agence américaine qui fait ça. D'accord. Et c'est, je crois, le nom, c'est When. When We Think of Home, je crois que c'est ça. When We Think of Home, je crois que c'est ça. T'en avais parlé sur ton site ou pas? Pas encore. Non, pas encore. When You Think of Home, je crois que c'est ça. Ou un truc comme ça, j'ai oublié le nom précis. Et en fait, bon, bref, ils ont plein de posters d'artistes et une partie des bénéfices des ventes sert en fait à une fondation qui permet à des enfants africains d'Afrique du Sud qui sont orphelins de trouver un foyer. Voilà. Donc, c'est cool quoi. Enfin, je veux dire. Moi, ça me demande rien d'autre que de faire ce que j'aime faire, de leur laisser commercialiser le poster et puis voilà, de récolter un peu d'argent avec ça pour. Voilà, c'est ça, When You Think of Home. Voilà, si jamais c'est vous super. Le cherchez, il y a un moment où ça finira par. Il y a des très 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 beaux illustrateurs qui ont fait vraiment des très belles choses. Et donc, l'idée, c'était quand tu penses à chez toi, quand tu fermes les yeux. Donc, moi, c'est pas chez moi à Palm Springs, mais c'est vrai que quand je ferme les yeux, j'aime bien, je me dis, ah, je sens la chaleur des Palm Springs et tout ça. Voilà, donc. C'est aussi des moments, des lieux qui nous ont marqués dans notre vie, quoi. Carrément. Alors, je propose... Vas-y, propose donc. ...de montrer une étape de Photoshop. Ouais. Alors, j'utilise des filtres, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens me demandent, mais comment tu fais? C'est quoi tes brushes? Comment tu fais tes textures, etc. Honnêtement, c'est pas compliqué. J'utilise True Grid Texture. Je le dis avec l'accent français. True Grid Texture Supply. C'est extraordinaire, c'est des Américains qui font ça. Ils ont développé des action scripts, des brushes, plein de trucs. Et vraiment, moi j'adore, j'utilise ça tout le temps. Et ça correspond exactement à ce que. Enfin, quand ils sont sortis, je me dis, c'est exactement ce que je cherche, ce type de grain. Ce dont tu as besoin et tout. Exactement, le côté un peu vintage, abîmé et tout. Ils font vraiment un super boulot, c'est très très chouette. Et donc j'utilise leurs outils, tout simplement. Mmh. Je fais pas tout moi-même, hein. Il faut savoir utiliser les outils quand ils existent. Et en fait, c'est très très cool. Je vais montrer en fait certains trucs avant et après. Mince, il est où mon illustration? Tu l'as fermé? Il est derrière, il est où toi? J'ai fermé l'illustration. Je pense que tu l'as fermé. Ouais, ok. Je suis comme ça moi, tiens. Ouais, c'est parce que je t'ai mis un micro comme ça. Voilà. Alors, on n'a pas installé les action scripts, mais en plus, honnêtement, c'est vrai que les designers, les illustrateurs, ils ont toujours un peu de mal à dépenser, à lâcher des ronds pour acheter des trucs. On préfère toujours se débrouiller différemment et tout. Mais honnêtement, je regrette pas cet achat. Ouais. C'est vraiment très très cool et ça coûte quelques euros. Il y a plein d'options de packs et tout ça. Mais ouais, et puis ils sont tout le temps là, je sais qu'il y a pas mal de trucs autour du Black Friday qui est en train de se finir. Donc, Ouais, faut en profiter, hein, vraiment. Et moi, ça me sert tout le temps. Vraiment, j'adore. Tu connais, toi, les Astute Graphics ou pas plus que ça? Les quoi, les Astute Graphics. C'est des Anglais qui font ça. Quelque chose. Oui. Qui font des plugins, justement, avec de la matière. Pour, je pense pour que je l'ai vu dans un des. Dans une des sessions, même, en année. Ouais, si jamais ça vous dit, effectivement, c'est un truc. C'est un truc où effectivement tu te sauves la vie sur Illustrator. C'est exactement ça. Alors là j'ai un exemple de mon palmier. Donc j'ai importé des éléments dans Photoshop, tout simplement. Donc là je prends l'exemple du palmier. Donc ça c'est juste en fait, j'ai juste importé en fait les calques dans Illustrator. Et quand je passe dans True Grid, notamment ce Action Script qui est très très bien, il altère vraiment les contours. Forcément, il y a plusieurs degrés d'altération. Et
Et parfois c'est très léger, des fois c'est un peu plus costaud. Là j'ai fait un truc un peu costaud parce que c'est mes palmiers qui sont dans le fond. Ouais. Donc en fait ils n'ont pas besoin d'être détaillés, au contraire ils sont plutôt censés être une masse un peu difforme. Donc voilà. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Donc là j'en ai un autre pour un autre palmier. Donc pareil, donc on voit bien, hein, on voit bien quand même que c'est quand même très altéré. Ça, et ça donne ça à la fin. Donc il y a des réglages, on peut bien sûr régler tout ça. Je vais me mettre... voilà. Et après, je change aussi, bien sûr, les couleurs, une fois que le truc est fait. Donc je fais calque par calque, hein, par contre. Hein. Là, je ne sais pas si j'ai gardé les calques. Mais je fais vraiment calque par calque. Pour être sûr de pouvoir modifier chaque élément, chaque pièce. Exactement. C'est un travail qui est méticuleux. Alors des fois, à l'import, je n'ai peut-être pas trouvé la bonne technique, mais des fois, exporter les fichiers Illustrator dans Photoshop, des fois, ils coupent des calques qui ne devraient pas être coupés. J'ai peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Mais en fait, il y a quelques petites astuces et qui fonctionnent très très bien. Et donc, je fais ça. J'applique le filtre à chacun des calques. Après, je leur change de couleur. Donc ça, ça me donne ma base. Et là, c'est un fichier sur lequel il y a un peu tout, en fait. Hein, c'est un peu fourre-tout. Il y a plein de choses. Parce que je bosse ça un peu séparément. Donc là, pareil, on voit mon palmier avant le action script et là, après. Donc, je ne sais pas s'il y a tout. Non, là, j'ai aplati le calque. J'ai aussi des éléments derrière de ma structure de la maison. Donc j'ai tout mis, comme c'était tous les filets blancs, j'ai laissé tout sur le même calque. J'applique le filtre, ça me donne un truc un peu altéré comme ça. Alors ça je l'ai pas gardé ici la version altérée, mais c'est pas grave. J'arrive pas, je fais le truc là. Et là, on a mon parterre, mon fameux parterre qui m'a sauvé la vie dans ma compo. Donc voilà ce que ça donne un peu à la fin. Alors j'ai utilisé aussi quelques brushes en fait pour les textures. Voilà, donc on voit là j'ai certains endroits sur lesquels j'ai des textures. Alors il y a une astuce que j'utilise beaucoup aussi, ça c'est un copain qui est illustrateur, les Feebles, je vous conseille d'aller voir, c'est super leur boulot. Les Feebles, c'est un duo de Nantais et ils m'ont dit un truc tout bête que je connaissais pas en fait, ils m'ont montré ça il y a 2 ans je pense à peu près, c'est quand on a une forme. On prend en fait le pinceau. Le site est cool. Et on se met en mode fondu. Et en fait, ça fait une espèce de texture naturelle, un peu comme si on avait une bombe au spray. Et du coup, j'utilise beaucoup cette astuce. Je trouve ça super sympa, ça correspond bien à mon travail. Et je trouve que ça donne des effets assez cool. Voilà, ça me fait une base de texture, une sorte de grain, sans prendre la tête. Ça va très très vite. J'utilise beaucoup en fait. Donc par contre là vous êtes en train de vous dire le mec il fait ça sur chaque calque de chaque caillou, oui, de chaque plante. En plus si on regarde bien là, tout à l'heure t'avais un fichier, il avait écrit calque 125. Est-ce que même sur le calque 125 t'es allé Ah bah normalement oui, hein. Mais bon comme je fais une sélection automatique de calques, bah hop, je fais tout à raccourci clavier, ça va très très vite, au bout d'un moment on commence à avoir des mécanismes. Donc je sélectionne mes calques, hop, raccourci clavier, B, voilà, machin. C'est tout, hein, voilà. Hein. Et donc ça prend du. C'est vrai que la phase Photoshop prend beaucoup de temps parce que je fais très attention de travailler vraiment sur chaque élément. Un peu comme un peintre, mais sauf que je le fais avec mes outils et à ma manière. Mais vraiment, je fais vraiment attention aux détails. Et si un caillou il a une ombre dégueulasse, ça me plaît pas, je le refais. Peut-être que personne ne le verra, mais bon, voilà. Mais toi, au moins, tu sauras que ça fait partie de l'illustre. Ben voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est un calque, c'est un fichier, pardon. Bah là, on le voit avec la voiture aussi. J'ai appliqué aussi pareil. Donc là, si je prends le contour, voilà, hein, on voit vraiment que chaque calque est sur chaque élément est sur un calque différent. Voilà. Donc là, j'ai pas appliqué de couleur et de texture dessus. J'ai juste sur la texture de contour. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre ça, tac. Hop, je dis beaucoup de tac. Hein. Ah ouais, mais ça double le bruit du clic de la souris, c'est tac, très bien. Tic, tac, tic, clac, clac, tic, tac. Voilà, et puis bah, je me mets sur la bagnole. Alors je suis pas sur lequel, j'ai juste... Where is my layer? Alors, j'ai beaucoup là de calque. Là-dedans, regarde. Là, sur ton panneau de calque, tu as un petit recherché. Pardon, t'es dans Photoshop. Est-ce que tu... non, tu n'as pas nommé tes calques. Non. Alors, sur le truc final, oui, c'est... Oui, c'est... Parce que tu peux rechercher absolument par type, par couleur de calque, si tu as oui, fini par organiser. Mais oui, tout à fait. Et je ne l'utilise pas assez. Ouais, si c'est verrouillé, si tu sais que tu avais fait des trucs dessus, s'il y a un effet dessus, tu peux retrouver... Mais normalement, quand on clique dessus, il apparaît, non dans le... Ouais, normalement, il est... Ah, c'est juste que la souris va un peu trop vite pour moi.
Donc hop, je le mets comme ça. Et puis après, bah, je fais mes petits effets comme ça. Hein. Mmh. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est juste, juste le pinceau de base en mode fondu. Donc on peut, en plus, on peut régler avec l'opacité. Si je mets à 100%, forcément, ça va me donner un autre truc. Hein. Mais il y a toujours ce petit côté un peu spray, un peu bombe, que j'aime bien. Et tout, puis... tout ça à la souris, c'est ça qui est marrant. Quoi, tout ça à la souris. Ouais, tout ça à la souris. Il y a Imen qui se demande justement, qui se pose la question de ce que tu es en train de faire exactement là maintenant. Je fais ça à la souris. Je fais ça à la souris. Ça m'est arrivé d'utiliser une tablette. Hein, puis en fait, au bout d'un moment, la tablette, elle est là devant moi. Ça m'embête, je la pousse. Et puis finalement, je fais tout à la souris. C'est comme ça, je sais pas. J'ai vraiment cette habitude de faire comme ça. Puis en fait, je pense qu'après, c'est juste une. Bien sûr, la tablette permet de faire des trucs. Enfin, quand on dessine, vraiment, évidemment, c'est incontournable. Moi, ça reste quand même. Voilà, je dessine essentiellement sur Illustrator. Donc après, je peux très bien faire ça à la souris. On développe une certaine dextérité de la main droite. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais vous montrer peut-être le poster final. Ouais. Tout simplement, on va regarder ça un peu de plus près. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, c'est parti. Ou alors, non, tiens, je vais peut-être passer d'abord sur le... Oui, t'as pas parlé de la typographie encore. Ouais. Alors, c'est vrai que la typographie, je me considère pas comme typographe, mais j'adore la typographie, ça fait entièrement partie de ma culture graphique. Ouais. Et je trouve que y a beaucoup d'illustrateurs qui font pas du tout de typographie, parce que c'est pas leur truc. Et il y a beaucoup de typographes qui font pas d'illustration. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'essaye. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le pont entre, justement, un peu mon héritage de designer et puis l'illustration. Mm-hmm. Et je trouve que c'est très intéressant. La plupart de mes illustrations, j'essaye de développer un peu un titre, un lettrage et tout ça. J'adore faire ça. Alors, bien sûr, il y a des gens, il y a des millions de mecs qui sont complètement fous et qui font ça super bien. Ouais. Aller voir le boulot de Tarwan par exemple. Tarwan, ouais, tout à fait, tiens. Qui est extraordinaire. On en a parlé avec Maïté, bizarrement. Bah oui, c'est étrange. Hein. Ouais. Le monde est petit. Ouais, c'est ça. Et puis il y a plein de mecs, en plus pour le coup, il y a plein de designers américains qui sont vraiment spécialisés dans le lettering et qui eux ont bouffé au quotidien cet héritage de lettering depuis les années 30, 40 jusqu'à aujourd'hui et qui sont presque des scientifiques du lettrage. Mm-hmm. Et moi j'adore ça, j'en bouffe beaucoup. Et donc j'ai pas la prétention de faire du lettrage de la même manière que ces gens-là, mais en tout cas, j'adore le faire. Ouais. Et j'essaye de le faire à chacune de mes illustrations pour donner un côté un peu unique. Voilà. Et donc, de la même manière en fait... Alors est-ce que tu allais le scanner ça? Alors je sais pas si je scanne, mais je cherche des inspirations, voilà. Je vais peut-être agrandir un peu le truc pour que les gens voient mieux. Ouais, c'est gentil pour eux. Donc voilà, typiquement, alors là j'ai cherché vraiment des trucs un peu mid-century puisque c'est quand même un peu le sujet, donc pour rajouter un peu de... ça c'est comment il s'appelle ça? C'est Monsieur Z, c'est ça? Monsieur Z, c'est l'illustrateur, je crois que c'est ça, qui a fait ça, je trouve super son lettrage. Voilà, quelques exemples, alors des fois même c'est des trucs, ça c'est typiquement, j'ai trouvé ça sur Flickr. J'aime beaucoup la typo, la pub elle est affreuse, mais c'est un truc des années 50, mais je trouve que le lettrage est vraiment intéressant. Mm-hmm. Même si je m'en suis pas servi, alors ça c'est une capture, je suis allé trop vite. Voilà, ce genre de truc de devanture, le truc très années 30, Universal Studios, j'adore. Voilà, et je m'étais filmé en fait en train de dessiner. D'accord, comme ça tu vois exactement quel est le process. Ouais, et puis j'aime bien montrer après ce que j'ai fait aussi, comment j'ai bossé mon truc. Donc ça c'est mon... Donc ça c'est le scan original, c'est le fameux dessin que tu aurais... Exactement, alors j'ai gribouillé avant, hein, bien sûr. J'ai gribouillé. Ouais, on voit beaucoup mieux sur l'écran. Ouais, ça marche. Bon bah du coup c'est pas la peine d'être loin. Donc c'est le même process, hein, je dessine, je fais des essais, et puis je fais ça au crayon. Une fois que je suis à peu près content et que j'ai un peu ma structure de base, je scanne et je passe dans Illustrator. Mm-hmm. Voilà. Donc là je montre sur l'écran, je vais peut-être le faire en accéléré. Mais vraiment, je dessine, je fais beaucoup de copies. J'améliore en fait mes empattements, mon lettrage, je fais plein de petits trucs, et ça c'est toutes les étapes. Et pas forcément avec des repères, pas forcément... Là j'en ai mis, mais il y en a pas forcément. Voilà, donc je montre un petit peu en accéléré. Donc là j'étais content de moi, je trouvais que ça donnait bien ce côté un peu justement mid-century, un peu écrit en travers et tout. Mm-hmm. Donc là il y a toutes les étapes. Je vais très très vite, j'ai essayé avec un petit filet intérieur, tout ça. Après il y a un peu de travail de détail. Un peu de recherche sur les terminaisons justement des lignes, ou bien aligner les contenus. Exactement. Et puis,
Donc là, je vais montrer le travail de typographie vraiment dans Illustrator. Donc ça c'est mon fichier. Donc je suis vraiment parti de ça. Donc j'ai placé quand même quelques repères histoire d'avoir quand même un truc un peu qui fonctionne bien, un peu carré. Mmh. Et voilà. Puis après, je dessine à la plume, hein, tout simplement. Et puis donc là, c'est toutes les versions. Alors des fois, j'agrandis un petit peu la largeur du filet. Voilà, ça c'est une version. Donc voilà. Quand on, là j'ai tout vectorisé. On sent que t'es arrivé au bout. Voilà, on sent que je suis presque arrivé au bout du truc. Voilà, j'essaye différents positionnements, tout ça. Voilà, et puis donc là je vais ouvrir. Qu'est-ce que je voulais ouvrir? Je vais ouvrir le travail final là, maintenant. Hein. Ouais, pendant ce temps-là, ouais, carrément, ouais. Vas-y. Dans le chat, mm-hmm. Il y a Billy Bob et Imen qui échangent sur le fait que tu verrouilles les pixels transparents dans le panneau calque de Photoshop. Ouais. Le fameux petit carré en damier, ouais, c'est indispensable. Tout à fait, je pense que c'est bon pour la santé. Alors là, j'ai ouvert mon fichier final. Donc là, on est sûr, ça revient, tu changes plus stylus. Là, elle est terminée, c'est vraiment le truc final. C'est le truc qui est parti chez mon client et ouais. Chez l'imprimeur. Donc comment c'est foutu mes calques? Alors je nomme pas tous mes calques. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment... C'est marrant ce que j'ai nommé. Est-ce qu'à un moment, tu as nommé un calque? C'est surtout ça. Ben, en fait, je pense que surtout, c'est pas le bon fichier. Parce que si, normalement, à la fin, j'aime bien quand même... au fur et à mesure, voilà. Au moins un petit peu pour pouvoir mon calque avec la bagnole, mon calque, ça. Donc là, je pense que c'est pas le dernier. Mais en tout cas, là, on a quand même vraiment le résultat final. Donc, comme je disais tout à l'heure... Ouais. Le nuage prend une place importante dans la composition parce que je trouvais que ce que j'ai vu et ce dont je me suis inspiré, ce que j'ai compris, j'ai essayé de l'appliquer dans cette illustration. Et donc je pense que si j'enlève les nuages, ça ne donne pas du tout la même impression. On pourrait essayer d'ailleurs. Il y a toujours ces éléments qui sortent un petit peu du cadre parce que je trouve ça sympa. J'aime bien ce type de composition. Il y a vraiment tous les effets. D'ailleurs, on voit que mon parterre là devant, il vient bien, il termine bien en fait la construction Il permet d'appuyer, de donner le relief. Mmh. Les lumières dans Photoshop beaucoup, les couleurs que je retravaille énormément. Bien sûr, il y a des éléments qui sont dupliqués. Hein. Tout n'est pas unique. Voilà. Donc là, on voit un petit peu le grain quand je zoome pas mal. Ça permet de voir un petit peu des détails de l'illustration. Voilà. Effectivement, ouais, je pense que peut-être pas le fichier final, parce que je pense que j'avais pas de noir comme ça. T'avais pas mis en aplat sur je sais plus trop. C'est pas très très grave, mais bon, on s'approche quand même vraiment du résultat final. Mes petits nuages. Le petit nuage, il est plus au fond, donc il est plus bas. Voilà. Et puis mon dégradé. C'est vrai que je passe pas mal de temps aussi à définir le dégradé quand j'utilise un dégradé, parce que. Ça crée une lumière, une ambiance et souvent là on le voit peut-être pas avec ça, mais sur certaines illustrations j'ai mon travail, il est final, et puis après j'ai encore plein de déclinaisons avec des dégradés différents. Tu vas refaire des variantes, c'est ça, et où je me dis tiens, parce que vraiment le dégradé ça transforme complètement l'ambiance, est-ce que c'est un peu plus nocturne, est-ce que c'est un peu plus le matin, est-ce que c'est vraiment en journée. Donc là en l'occurrence on voit un petit peu la lune, donc on sait pas trop, c'est un peu crépusculaire, on sait pas trop. En tout cas t'as un public, hein. Super. Beau premier plan comme sur des photos d'inspi, c'est giga beau avec l'allée derrière. Ah bah ça fait plaisir, merci. Ouais. Et là j'ai appliqué aussi ce filtre à ma police, à mon lettering. Et je suis assez content de ça. Là on voit qu'il y a un tracé aussi qui dépasse un peu. Enfin voilà. Donc c'est des choses qui se voient pas. Si je mets comme ça, on voit pas. On voit juste bien la composition. Mais voilà. Là mon petit palmier qui est un peu tordu aussi, j'ai un peu designé pour que. Ils sont un petit peu rigolos. Il reprend presque la courbe de la bagnole. Ouais, c'est ça. C'est ça. On retrouve un peu. C'est comme si tout passait un peu par la moulinette du design. Je sais pas si tu as connu il y a longtemps dans les journaux où ils te faisaient retrouver des petits des éléments d'illustration. Il fallait trouver une pelle, un râteau. Ah oui, qui était incrusté en image. Ouais, c'était ça dans les journaux, mais c'était tout petit. Ouais, ça c'était avant Internet. C'était bien avant Internet. Je pense qu'on puisse retrouver. Quand on faisait encore du coloriage et tout. Quand on avait des journaux papier. T'as connu avant Internet. Moi aussi. C'est ça. Yeah, yeah.
TMPX a loupé un truc. Comment tu choisis tes couleurs? Est-ce que tu choisis avec des complémentaires ou autre? Est-ce que tu te fais une gamme en amont? Est-ce que t'as... Alors, j'ai pas de... Comment dire? C'est un truc... Je l'ai pas appris. J'ai pas appris la couleur. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai pas appris de manière théorique. J'ai fait un BTS en communication visuelle. Mmh. Dont je peux dire que j'étais pas très satisfait en fait. Voilà, parce que bon, c'était les débuts d'internet, il y avait beaucoup de choses qui ont changé. J'ai finalement pas tellement appris à dessiner, j'ai pas tellement appris les théories de couleurs, j'ai vraiment des grosses lacunes. Et donc j'ai même un complexe un peu par rapport à ça. Donc je l'ai vraiment appris au fur et à mesure. Donc j'ai pas vraiment de théorie de couleurs sur les complémentaires. Ça, bien sûr, je sais comment ça fonctionne, hein, depuis je me suis renseigné, mais je fonctionne quand même beaucoup plus au feeling. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment les ambiances, c'est presque bizarre, ça fait un peu genre mystique, mais c'est très mental. C'est-à-dire que même des fois le matin, je vais me réveiller, je suis pas encore complètement réveillé, et je vois un peu les couleurs dans ma tête, c'est très bizarre. Mm-hmm, ouais. Et j'essaie de retranscrire ça, et des fois ça marche pas du tout. Et puis des fois, ce truc, c'est vraiment imprimé dans ma tête. Et du coup j'arrive à retrouver... Dans la journée, ça voilà, va correspondre ça. À ce que t'as... Exactement. Et c'est mélangé aussi avec les photos, je m'inspire beaucoup de photos. Mm-hmm. Et après, il y a bien sûr quelques règles que j'applique. Ouais. J'essaye d'avoir toujours aussi des couleurs chaudes dans mon travail. On retrouve beaucoup les roses, les rosés, etc. qui fonctionnent bien avec certains bleus. Mm-hmm. Voilà. J'essaye toujours aussi, la technique que j'ai, c'est que j'essaye toujours de définir quelle est ma couleur la plus foncée ou quelle est ma couleur la plus claire. Bon, des fois, la couleur la plus claire, c'est juste le blanc. Mais des fois, ça peut être un rosé légèrement ou alors un, comme par exemple, on voit... mon fond, enfin, je sais pas si on voit sur l'écran, mais c'est pas tout à fait blanc, c'est un peu écru, voilà. Et du coup, ça permet de jouer aussi avec ça. C'est-à-dire que si on considère qu'en fait, le blanc le plus blanc, c'est pas vraiment du blanc, mm-hmm. du coup, quand on va vraiment utiliser du blanc, bah, ça va flasher. Ça va flasher, et ça te permettra de faire les reflets, c'est on l'a vu avec les lignes sur la bagnole. Exactement. Et puis, donc, j'essaie de définir quelle est ma couleur la plus foncée. Et donc, c'est jamais du noir pur. La plupart du temps, c'est jamais du noir pur. Donc, là, en l'occurrence, c'est un pourpre. Uh-huh. Et donc je décide que c'est ça, et après je définis un peu ma gamme de couleurs entre les deux. Donc c'est vrai qu'à un moment là sur un des fichiers Illustrator, peut-être qu'on avait. Il y avait un bout de gamme. Tout à fait. Ça vient quand même, enfin ça vient pas vraiment à la fin. Quoi. Non, ça vient pas à la fin, je définis ça quand même beaucoup dans Illustrator. Et donc j'essaye de trouver mes couleurs, et des fois je suis très content de la gamme que j'ai trouvée, uh-huh. puis finalement je me rends compte que quand je l'applique à mon illustration, ça marche pas tout à fait. Donc j'essaye de tricher un peu, je décale un peu les couleurs, les nuances. En général. Ouais. J'essaye toujours de rajouter de la chaleur. Je ne vais pas refroidir mes couleurs, je vais vraiment les réchauffer. À tel point que même il m'arrive parfois, quand l'illustration est terminée, d'avoir un calque au-dessus de tous les autres, qui va être un petit orange, peu, qui va être en produit ou qui va être en incrustation, qui va être légèrement rosé et tout ça. Et je me dis, ouais, c'est encore un peu plus vintage comme ça. Mm-hmm. Et voilà. Donc ça m'arrive aussi un peu de tricher avec cette astuce. Et voilà. Donc voilà un peu ma méthode pour les couleurs. Mais sinon, ça reste quand même beaucoup du feeling, quoi. Ouais, carrément. Alors, il y a Gabriel qui veut savoir si tu es sur une souris filaire ou sans fil. Chez toi, sans fil. Et ici, puni. Puni. La punition ici. Non, mais on peut pas tout avoir. Mais non mais ça marche très très bien. C'est marrant parce que ça reste quand même très efficace. Mais sinon, non, je suis avec la Magic Mouse. Ouais. Tout simplement, en fait. Hein, de d'Apple qui fonctionne très très bien. J'en ai deux, en fait, comme ça, quand il y a une qui est déchargée, hop, j'ai même pas le temps. T'es pas en train d'attendre qu'elle se recharge. C'est-à-dire que c'est un petit défaut, je trouve, sur les souris, c'est de devoir les recharger derrière. Ouais, ça c'est et du coup, très bien. Et donc, du coup, on peut pas l'utiliser pendant ce temps, alors que le clavier, on peut. Mais voilà, c'est un petit défaut que je trouve un peu pénible. Mais donc, du coup, j'ai deux souris. Et voilà, c'est tout. Hein, c'est extraordinaire. C'est radical. J'ai beaucoup, quand même. Je customise beaucoup mes raccourcis clavier, comme je disais tout à l'heure, et dans Illustrator et dans Photoshop. C'est un truc que vous pouvez faire hein, quand vous avez vraiment des habitudes plutôt que d'aller chercher dans les menus ou de galérer. Donc du coup c'est vrai que maintenant je suis comme ça quoi, sans mon clavier. Tout au clavier, tout quasiment tout au clavier à la souris, ça va très très vite. Mm-hmm. Et il vaut mieux parce que comme j'ai énormément de calques, c'est mieux comme ça quoi. Voilà. Carrément. J'espère que ça va répondre un peu aux questions et faut pas hésiter à poser des questions. Hein, moi je. Ah, regarde parce que t'as des gens qui nous disent. Est-ce que la différence entre l'ombre de la voiture et du... entre la voiture et celle du palmier plus rasante, est-ce que c'est un choix graphique ou est-ce que juste tu n'avais pas fait gaffe? Alors, est-ce que l'ombre entre la bagnole et... Non, c'est la même couleur. Ah non, c'est peut-être un peu plus foncé. Oui, parce que peut-être que je me suis dit, tiens, pour rééquilibrer un peu les profondeurs de ça, j'ai peut-être rajouté effectivement au dernier moment. Quoi. C'est tout à fait possible. Et puis n'oubliez pas, c'est visiblement pas le dernier fichier. C'est ça que tu nous ouais, en plus, je pense que c'est pas le... Tu pensais que tu t'étais bien... Ouais, j'étais bien préparé, nickel et tout, pour filmer, tout ça. Eh ben non. Voilà, et donc,
Cette illustration, je l'ai réalisée en 30 minutes à peu près. Non, je déconne. Non, je suis impressionné. Non, pas du tout, pas du tout. Et si vous regardez la vidéo en accéléré, ça fait à peu près ça. Non, pas du tout. Non, je suis très très lent. C'est un vrai fléau. Et d'ailleurs, en fait, j'essaye des fois de me dire, il faut que je simplifie mon process de travail, il faut que je mette moins de détails, il faut que j'aille plus vite, que je fasse des compromis. Finalement, t'en rajoutes quand même. Et en fait, à chaque fois, je pars avec cette intention-là. Et à chaque fois, je me dis non, je suis pas content, je veux rajouter ci, je veux rajouter ça. Donc, j'enlève quand même plein de choses, mais je me dis non, c'est pas complet. Donc, en fait, j'arrive pas vraiment à simplifier mon process. Et voilà, je peaufine dans un certain sens, mais voilà. Donc, ça reste quand même un travail qui est très très long. C'est une des raisons pour lesquelles je produis pas des images tous les jours, parce que j'ai aussi d'autres impératifs. Mais en tout cas, à chaque fois que je le fais, c'est bien réfléchi, j'y mets tout mon cœur. Et du coup voilà, donc en gros une illustration comme ça en faisant d'autres choses à côté, je mets à peu près une semaine quoi, entre le moment où je commence à partir sur mes idées de croquis et le moment où vraiment j'ai le truc final, j'ai une semaine je travaille pas forcément tout le temps dessus, mais c'est à peu près le temps qu'il me faut quoi. Est-ce que tu passes d'une illus à l'autre, est-ce que tu j'ai beaucoup de mal à faire ça. Déjà si je travaille sur mes projets mes projets pro et en même temps, j'ai mon illustration pour respirer un peu à côté. Déjà, c'est bien. Mais je bosse pas sur plusieurs illustrations en même temps. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, pour moi, chaque illustration, c'est vraiment une étape qui me fait avancer. Donc, j'y mets certaines améliorations, certaines nouvelles idées. Et après, je laisse un peu décanter. Je réfléchis, je regarde mon travail. Je me dis, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Il y a toujours des moments où tu dis, oh, tout ce que j'ai fait, c'est nul. Il y a des moments où tu dis, ouais, c'est super classe et tout. Et est-ce qu'il y a des illustrations où t'as vachement avancé puis tu te dis c'est nul et tu t'en sors pas du tout et t'en fais autre chose, tu fais quoi dans ce cas-là? Ça arrive que des illustrations restent un peu en rade et que je les ressorte des fois un an après, je me dis ah là ça y est, je sais comment je vais débloquer ce truc. Parce que j'ai mûri tout simplement, c'est parce que j'ai été beaucoup plus observateur sur d'autres choses et je me rends compte aussi de mes erreurs en composition et des choses qui perdent de la force. Et des fois aussi, je suis content d'illustration, je la balance sur Instagram, je récolte pas de likes et je me dis bon, est-ce que c'est si important que ça, le like? Non, pas du tout, bien sûr. Non, mais d'ailleurs, mais c'est pour l'ego. D'ailleurs, je vais en parler, mais j'en parlerai de ça dans mes petites vidéos et tout ça. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est quand même chouette parce que Instagram, c'est quand même un bon retour. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plus ou moins intéressés quand même par ça. Et donc, excusez-moi, si on voit que les gens n'accrochent pas, ça permet quand même, c'est même pas une question d'ego, mais c'est, il y a bien sûr ce problème d'ego, on est tous confrontés à cette question, attention, je vais pas dire que je m'en fous tout ça, on a tous notre ego qui saigne à un moment ou à un autre, quand on se dit, les gens ils m'aiment pas, pourquoi, nanana, ça. Bon, mais ceci dit, ça permet quand même de se poser la question, tiens, pourquoi en fait, concrètement, les gens ont moins adhéré à cette image, alors que d'habitude, quand je fais un truc, les gens ça marche et tout, donc ça permet de se poser la question, ça m'est arrivé récemment, pour une des illustrations que j'ai réalisées sur New York, ça se passe, c'est de nuit, là, c'est avec la voiture, la bouche d'égout, on voit des petits yeux de Tortue Ninja. Ouais. Et voilà, c'est vraiment une ambiance un peu nocturne de New York, un peu 70s, etc. Et en fait, elle a moins marché. Ouais. Et je suppose que c'est peut-être parce que c'est une ambiance nocturne. Tout simplement. J'en sais rien, ou peut-être que je saurai jamais, mais c'est pas grave. En fait, je me dis, bon, ça va pas complètement déterminer ce que je vais dessiner, parce que je reste... Libre et fidèle à ce que j'aime. C'est cette illustration où en fait il y a le petit pigeon qui est devant, la pizza, le reste de pizza dégueulasse, les poubelles, la bagnole, enfin toujours un petit peu ce côté un peu ambiance un peu particulière de New York des fois de la nuit. Elle a pas trop marché, mais bon, je l'aime quand même toujours bien, il y a un peu tous mes ingrédients. C'est pas grave, je me dis peut-être que j'ai raté un truc au niveau de la composition, peut-être que c'est un peu fouillis. Donc je réfléchis, ça me permet de prendre du recul, de regarder aussi les copains comment ils font quoi, quand ils dessinent et tout. Donc voilà, on peut tout le temps apprendre et évoluer, quoi. Cool. Ouais, j'espère que ça répond un petit peu à des questions, à la curiosité. Donc je n'ai pas trop dessiné, j'ai plutôt montré mon process, en fait, la manière dont je travaille un peu étape par étape. Ouais, et puis de toute façon, si tu nous dis que ton process prend en gros une semaine, c'est compliqué de le résumer en une heure. Tu as déjà trouvé des bonnes approches, justement, en faisant ces étapes aussi. Ouais. Ça c'est un truc qui est intéressant. Je sais que vous nous suivez régulièrement sur la chaîne YouTube où on arrive à suivre des process d'illustrateurs, de graphistes, de photographes ou autres. Donc il y a vraiment plein de sujets comme ça. Et évidemment, quand ça demande une semaine, on va pas s'amuser à mettre tout ça, ouais, faire rentrer au chausse-pied pour rien quoi. C'est clair. Et puis c'est vrai que
Peut-être que je dis un truc qui est évident pour tout le monde, et sûrement d'ailleurs, mais je passe aussi beaucoup de temps à essayer d'observer les objets, et forcément je les décortique un peu à ma manière, c'est-à-dire que je réfléchis à comment je vais les redessiner, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, c'est ce fonctionnement un peu dans l'illustrateur. Donc je passe vraiment du temps, et c'est vrai qu'avec le temps, vu que j'ai toujours dessiné sur l'illustrateur, après ça va beaucoup plus vite et tout, c'est un peu plus mécanique, mais voilà, j'ai besoin de temps vraiment pour analyser ce que je vois. Il y a des gens qui sont capables, ils chopent un truc, une ambiance, ils sont là, tac tac tac, avec quelques câbles, ils sont super forts, d'un seul coup il y a une ambiance, il y a quelque chose qui sort, j'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin de plus de temps. Voilà, chacun son rythme, hein. Ce qui compte, c'est après, est-ce qu'on est content du résultat, est-ce que ça le fait, quoi, et est-ce qu'on arrive à avoir des clients aussi. C'est ça, je pense qu'il y a une théorie, hein, sur le il manque un burger sur ton tapis de ta... c'est le lobby de la pizza qui s'est vengé. Oui, parce que c'est des choses qui arrivent, hein. J'aime bien les pizzas, hein, voilà, hein. Tout ce qui est nourriture saine, attention, moi je dis, pour être en bonne santé, il faut manger un peu de tout, hein. Hamburger, pizza, fromage, faut savoir manger. Ça tombe très bien parce qu'il est bientôt 13h30. Yes, déjà. Et voilà. Oui, non mais le temps file à une vitesse phénoménale. Il y a Bill Murray qui nous attend au resto là. Ton pote Bill Murray toujours. Bah ouais, je veux pas le faire attendre trop longtemps, il va partir. C'est pas sérieux. Si vous vous demandez pourquoi on parle de Bill Murray, n'oubliez pas de regarder la session Meet the Talent et vous lisez la bio sur le site de Mike. Le feu tricolore n'est pas assez en relief par rapport aux autres éléments à mon goût, ou c'est l'inverse. Et ben voilà, c'est exactement pour ça que t'as pas eu les likes. Mets du relief sur le. Sur le feu tricolore. Oui, c'est totalement imparfait. Ouais. C'est clair. C'est le jeu. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Bah, c'était franchement un grand plaisir. Merci beaucoup. Carrément. J'ai sauté sur l'occasion quand tu m'as dit, tiens, je suis en métropole. Ouais. Bienvenue aux gens qui viennent de loin. On essaye de faire bouger les calendriers quand on peut. C'est super sympa. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis et qui ont échangé avec nous. Ax, Hyperlib, Daniel, TMPX, Guillaume, Gabriel, Rudy Toto, Philippe. Oh, mais il y a des copains partout là. C'est super. Des copains à toi. Allez voir le travail de Death, c'est incroyable. Philippe Constantinesco, c'est génial, ce mec est très très fort aussi, vous allez voir, c'est incroyable. Bon, j'en oublie, hein, désolé les copains, hein, mais non, franchement, ouais, les Feebles, allez voir. Il faudrait qu'on mette un tag sur les copains quand ils passent, tu vois, ce serait... Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais tout le monde fait des trucs incroyables, c'est ça qui est génial, et plus on est, plus c'est cool. Exactement. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci à toi. Merci de m'avoir regardé, bisous. Bye bye, à bientôt sur Instagram et à bientôt sur la chaîne YouTube comme d'hab. Ciao.